Salut les gars, bienvenue sur Strength Vision. Donc aujourd'hui on est à la FNSL avec Mister Adam Antium derrière la caméra. Donc on est venu supporter et donner de la force à tous les athlètes parce que ça va être du sale là. Toutes les catégories vont être relevées, que ce soit chez les femmes, chez les poids légers et dimanche chez les poids lourds. Donc là dans la catégorie des moins 57, vous avez de très beaux prospects. Donc il y en a certaines que je ne connais pas, mais là vous avez Po et Workout by Julie, ça va envoyer du lourd. Et bien sûr, bah, on connaît hein, les nouveaux challengers, hein, souvent ça annonce du lourd, c'est toujours, toujours la surprise. On passe à la catégorie suivante, donc chez les moins de 63 kg. C'est une catégorie que je ne connais pas, mis à part deux femmes exceptionnelles, Toupou et Inès. Qui ne connaît pas Inès, celle qui va, je pense, faire le plus gros total chez les femmes. Attendez-vous à du lourd. Catégorie des moins de 70, une catégorie, je vous l'avoue, hein, c'est vrai, c'est mon péché aujourd'hui, que je ne connais pas du tout, mais je souhaite le meilleur pour ces compétitrices. Donc là les gars, là, on est dans la catégorie du Mordor, là. Là, c'est le seigneur des anneaux, là. Vous avez que des potentiels gagnants, là. Vous avez déjà Ashura, le champion du monde en titre, qui a gagné son titre à Fanarem, championnat du monde. Vous avez Lionel Holbars, un gros concurrent avec un gros tirage, très très gros tirage. Vous avez Cyril, c'est un personnage caché, comme dans Konoha, comme dans les villages, comme dans Naruto. Mais lui, je pense qu'il va vous surprendre. Etienne Sahel est aussi gros concurrent qu'on a vu sur certaines compétitions. Venom, c'est encore que je ne connais pas, mais j'en ai entendu du bien. Attention, le petit frère de PRZ, Yora. Alors lui aussi, c'est un personnage caché. Personne ne le soupçonne, mais je pense que je n'en dirai pas plus. Flo Marek, le champion en titre en endurance, qui s'est mis récemment à la force pour montrer qu'il était complet. Il faut faire attention à lui. Et bien sûr, la mascotte, Aro, le titan, qui aujourd'hui va essayer de tout faire pour déjouer les pronostics. On passe à la catégorie suivante, aussi une catégorie très relevée, avec Raoul, a.k.a. Bonnet. Donc lui, vous connaissez un chin-up man avec un très beau squat barre haute. On passe à TV que je ne connais pas, mais très beau prospect aussi. J'en ai entendu un petit peu parler. Après, on passe à Mugiwara no Lifting de la SWAT Academy. Très 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 gros prospect. Première compétition pour lui et pas des moindres. Il est directement sur un championnat de France. On passe à Desira, un des meilleurs dipseurs de sa catégorie, de sa génération. Il fait partie de la génération terrible. Johan, que dire de PRZ, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez raté votre vie. Très très gros prospect. Et après le reste, je ne les connais pas, mais ça va envoyer du lourd. Catégorie des moins 80 kg. Alors là les gars aussi, on est sur une catégorie très relevée. Déjà, gros bravo à Tortue Génial, le vétéran, le plus vieux de la compétition, qui va prouver aux petits jeunes que c'est pas l'âge qui fait les choses, c'est l'attitude et la discipline. Pas des excuses pour cultiver la force ici. On passe à la suite. Abdou DZ, le champion du monde en titre, qui va encore une fois renouveler l'exploit peut-être et décrocher la première place. Nous avons aussi Kawabunga, vous connaissez, hein, la tortue des profondeurs, qui va tout faire pour se hisser sur le podium et pourquoi pas battre Abdou. Ce sera une lutte très très serrée. Et après, le reste, c'est vrai que je n'ai pas trop d'informations, mais on me dit que ce sont des concurrents très chauds et que ce sera une compétition très disputée. Du coup, tout est en train de se mettre en place tout doucement. Donc on voit les différents poids qu'on peut retrouver et qu'on peut pouvoir agrémenter leur charge tranquillement. Donc on a du 0,5, du 0,25, du 1,25, du 2,50, 15, 10, classique, du 20 et du 25. Allez, on y va là. Facile, excellent ça. Dans la maison, très beau style avec des dernières Nike. Allez.
Magnifique, bien sûr. Eh oui, avec de la confiance. On peut avoir une confiance à toute épreuve. Allez, c'est bien. Très puissante. Bel essai. Pris par l'aisance. Apparemment. Attention aux ordres qui étaient venus au-dessus. Aïe 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 aïe. Facile. Très bien. Sortez ça. Ah dommage, t'es passé. Hein? Aujourd'hui, ça finit à 19h. Ouais. Stop. Oui, facile. Facile pour lui, regardez-moi ça. Très vertical. Incroyable. Il me semble que c'est le rêve. Allez, de tout donner. Allez, valide, solide. Hop, transition, on pousse. Ouais, validé. C'est bien, mon gros. C'est bien, mon gars. Du coup, faut, ok. Pas le muscle up, mais bon, faut prendre aussi le muscle up.
Mais si allez, vous... Lionel. Allez. Puissance au tirage, puissance au tirage. Allez, allez, allez. Là, je sais pas. Là, pour moi, c'est valide. Un petit peu. Moi, c'est valide. Enfin, moi, je valide. C'est quand même un rat. Franchement, monstrueux. Monstrueux sur le niveau en muscle-up. Sachant que le jugement, il est vraiment dur. Juste, il est juste, mais dur. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça se dessine, mais pas vraiment. Parce que la poussée, tout peut changer sur la poussée. Pour l'instant, on a Lionel qui est en tête avec Ashura en deuxième sur le tirage. Mais rien n'est fini. Tout est encore à faire. Je pense qu'il y a pas mal de surprises qui vont arriver pour motiver. Faire une forme de coupine et de pousser dans la porte. Très bien. Entrez dans la compresse, là, allez. Eh, c'est un film de cul. Tu ne recevais pas 30 kilos sans transition. Oh, c'est n'importe. Moi, je suis pas quand même. Là, j'espère qu'il va mettre 40 parce que s'il n'est pas 40, il va s'en vouloir. C'est bien, il est content de trouver. Ah non, à cause des jambes, c'est pas bon. Moi, je t'arrête pour lui. Non, mais. Oh, joli ça. Très joli. À détruire. Allez, on va la chercher. On vous l'avait dit, hein. D'accord. Les 25 gros. Ouais, ouais. Fallait mettre 25. C'est bien. Facile. Très bien ça. Qui passe facile, très bien, très propre. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un coach. Non, c'est pas lui. C'est celui d'après. Et bam. Ouais. Ah ouais. Magnifique.
poitrine, du niveau. Il a vraiment bien augmenté, je pense. C'est très intéressant sur le tirage. Je continue comme ça et j'espère que l'année prochaine, il aura beaucoup plus de femmes qui vont s'intéresser à cette boxe. Vraiment une très belle discipline. Thank you.
Félicitations à lui. Bravo. Allez, allez, allez.
90 et après, sa mère. Et après on voit lui comment il va.
notamment un dernier squat à 145. L'équipe, l'amélioration de la chaîne passe aussi par vous, alors n'oubliez pas de poser votre like, de vous abonner et de partager en masse la vidéo. Cultivez la force !